Salut tout le monde, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 29e épisode du Random Legacy, après l'anniversaire de Natou, qui est juste là. Et bientôt, ce sera donc celui des premières jumelles, même bientôt dans quelques heures, quoi. C'est vraiment aujourd'hui. Mais je ne sais plus trop à quel moment de la journée, je vous avoue. Bref, on est samedi, du coup, on va faire le yoga de tout le monde. Alors, ouais, tout le monde au yoga. Au moins, je suis sûre que c'est fait. Et que je devrais pas trop me prendre la tête avec... 7. Putain, ils sont 7. La vache. Oui. Hop. Voyons. Je sais que je te sors du sommeil, mais ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Toi, arrête pour l'instant. Allez, c'est pas grave pour les besoins. On fait les 3 heures. Toi, tu fais tes devoirs, mais on s'en fiche, tu vas te tirer. Toi, on s'en fiche de ce que tu fais parce que c'est pareil. Toi, c'est pas toi que je garde. Papillusion, c'est la grande... J'allais dire la grande vainqueur. Vous avez compris, quoi. Voilà, tout le monde y va gentiment. Allez, Natou, toi aussi, là. Oh, tu retardes les gens. Allez. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Allez, du coup, on va dire 7 heures. 8, 9, 10. Allez, jusqu'à 10 heures. Voilà. Vous n'avez pas intérêt à me faire chier à cause de votre odeur. Que vous êtes bien rangé, c'est trop mignon. Généralement, c'est la fin de journée, les anniversaires. Et du coup, j'ai checké pour Mimigal et Sai. Alors, Sai, dans 5 jours, je crois 4-5 jours, il passe senior. Et Mimigal, ça sera dans 12-13 jours, quoi. En fait, ils ont pas mal d'écart, surtout qu'avec les grossesses, bah, ça agrandit l'écart. Forcément. Ouh, c'est tout violet en bas. C'est trop chou. C'est très très beau. Vous voyez, vous savez faire du vrai violet. Pourquoi vous pouvez pas nous donner une couleur de cheveux vraiment violette, bande de débiles? Ouais, d'un coup, là, ça m'a énervé d'un coup. C'est pas grave. Allez, encore une heure. C'est bien. Je serai peut-être pas emmerdée cette fois. C'est un truc de dingue. Bon, toi, je sais que tes besoins, ils sont tout pourris. Mais bon, tu fais un effort. Oh, elle est méchante. Aïe, 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 aïe. Et du coup, je crois que la dernière fois, donc Mimigal est passé niveau 10 de la compétence violon, donc elle dépose des morceaux et tout. Mais en fait, ça y est également arrivé niveau 10 de la compétence écriture. Oh. Ok, il y a eu un bruit bizarre, j'ai cru que d'un coup le... Oh. Eh ben voilà, elle est partie. Pourquoi t'es partie? Mais même pas pour aller prendre ta douche en plus, juste pour faire tes devoirs, mais je rêve. Mais j'ai jamais vu ça. Leur demander de faire du yoga, il n'y a que le fait d'être crade qui... Ah, mais c'est parce qu'elle passait par une phase. Ok. Je comprends mieux. Mélo aussi. On s'en fiche, elle s'en va. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir le petit montant qui s'affichait là. Parce que si c'est pour calculer tout ce qu'il y a là, voilà quoi. Mais je crois qu'on avait dépassé 6000. Allez, c'est 10h presque écart. C'est bon. Je vous libère. Ah bah tu te cassais encore toi de toute façon. Ouais, les phases ça devrait être plus sympa sachant qu'il y en a deux qui se partent. Enfin plus sympa. Mieux gérable en tout cas. Du coup. Hop. Toi tu commences par manger. Ok. Toi. Pipi douche. En plus t'es tendu, faut que tu joues aux échecs. Toi. Douche. Nettoyage et bouffe.
faut que tu prennes ta douche et surtout que tu causes. Mais je m'en fiche un peu étant donné que tu vas te tirer en fait. Tu peux pas parler à grand monde en plus. Hop, voilà, ça sera déjà ça. Toi, manger, donc tu viens ici. Toi, pareil. Et toi, la douche et manger. Donc tu vas commencer par manger. Voilà. Putain, mais ça y est, c'est le premier qui doit aller quelque part et c'est celui qui reste le plus longtemps. Mais je rêve. Allez, va manger, il y a tout le monde qui attend là. Oh là là. Hop. Voilà. Ah mais elle a arrêté là-haut. Mais qu'est-ce qui... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors, l'école c'est nul. Je devrais pouvoir commencer à travailler ou mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours? Ça va, t'as encore 2 jours à attendre, cocotte. Influence les manières. Voilà. Toi, on t'a dit qu'il fallait que tu manges. Hop. Toi, qu'est-ce que je t'ai programmé, toi? Non, toi, t'es celle qui cause. Dis donc, ça remonte pas beaucoup, d'ailleurs. Hop. 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 Du coup, toi, qu'est-ce que tu me fais? T'étais censé prendre ta douche et nettoyer le truc, mais je rêve. À cause des phases encore. En fait, j'ai genre un épisode. Un épisode sur deux qui me prend la tête. Oh putain, il ressort. Mais arrête d'entrer dans des phases. Je veux bien qu'il y ait des trucs qui t'agacent, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être te laver quand même. Et elle arrête. Mais oh là là, je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je vais m'énerver, je vais m'énerver. C'est pas possible que ce soit aussi mal dosé. Et elle va faire qu'un petit peu. Non, je rêve, ça remonte vraiment. Mais c'est presque merveilleux. Eh ben... Faire pipi. Non, d'abord tu vas nettoyer le lavabo. Comme ça après tu fais pipi et tu te laves les mains forcément. Je te surveille, hein. Je suis obligée de laisser les autres tous en plan. Parce qu'il faut que je te surveille. T'es chiante quand même, hein. Allez. Faut que je te voie faire pipi. Ok, c'est bon. Oula. Carapuce, on s'en fiche, tu vas t'en aller. Contrôle des émotions. Fort bien. Alors, ensuite. Ensuite, tu viens ici. Alors, tout le monde, laissez en plan, j'aime pas ça. Toi. Oh, la barbe. Hop. Utiliser, prendre une douche. Mince. Et dormir. Toi, dormir. Toi, c'est toi qui me fais chier. Toi, tu rentres dans des phases, toi aussi? Ah non, danser, ça va. Là, c'est celui qui est vide. Allez, dans 2 jours, on n'est plus obligé de manger de la salade. Toi, là et là. Ok, toi... Mais je croyais que c'était fait, tu t'étais dirigé vers... Vers les toilettes tout à l'heure, j'ai vu. Et toi... Ouh là 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 là. Mais qui c'est qui devait aller... Oui, voilà, prends à manger. Oh, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là.
Ça va pas du tout. Hop. Voilà. Vous mangez, c'est très bien. Toi, bah ça sera lundi ton anniversaire. Donc pour l'instant, t'es encore obligé de faire tes devoirs. Je suis navrée. Et toi, les besoins. Oh, c'est quand votre anniversaire là? Utiliser, prendre une douche et faudra faire les devoirs. Hop. Toi dodo, toi tu manges. Oula, faut discuter avec les cocottes là. Tu vas bientôt te barrer, mais bon. Hop. Toi tu manges, toi tu fais les devoirs, toi tu vas faire les devoirs. Et toi, les besoins. Hop. Hop. Rentre pas dans des phases, s'il te plaît. Hop, je te surveille. Eh, vas-y. Ok. Eh, t'as pas fait, c'est pas possible, ça. Ça y est, ça fait des bulles. Bon, au final, il s'est à peine passé une heure Sims, hein, depuis. Une ou deux heures. Alors, on va tenter ce gâteau-là, déjà. Souffler les bougies. Et les frangines qui se virent les unes les autres des salles de bain pour spontanément aller se laver, alors que quand je leur demande, elles veulent pas. Ça aussi, c'est sympathique. Mélo a vieilli. Alors, Mélo... Oh, les génies. Remettre des bougies. Allez, viens là. Et souffler. Mais t'étais censée aller pisser, toi. Putain, je comprends rien à ce qu'elles font, sérieux. C'est même pas que je m'y perds. Bon, il y a des moments quand j'attribue les besoins à tout le monde, je m'y perds, ok. Mais alors, entre les humeurs des autres, les humeurs des unes, faut commencer par une. Les humeurs des autres, les actions qui s'annulent à cause des phases, les je te vire de la salle de bain, les... Oh là là. Pas possible. Corallon. Corallon. Oh, lui. Voilà. Et du coup, je vais vous virer tout de suite. En plus, ça tombe bien, vu que j'ai partagé le foyer l'épisode précédent. Et ben, je peux virer en toute sérénité. Le foyer est enregistré. On sait jamais. Je réutilise quasiment jamais, mais on sait pas. Voilà. Alors, du coup, on est lundi soir et c'est l'anniversaire des deux autres jumelles. Alors, bon, on a passé le week-end, rien de bien transcendant. Voilà, les filles ont vagabondé dans l'appart et puis voilà. J'ai commencé à jeter un coup d'œil pendant qu'elles ne faisaient rien de spécial au quartier, voir s'il y avait des têtes intéressantes ou pas, mais bon, rien de foufou pour le moment. On s'y mettra dans l'épisode prochain, du coup. Carapuce. Voilà. Rajoute les bougies. Alors, toi, tu finis de manger, s'il te plaît. Ça me saoule, ces phases, je vous jure. Mais pourquoi tu continues de t'énerver? T'es jeune adulte, maintenant. Faut arrêter les conneries, hein. Toi, on en a 6500 simflouz par matin. C'est chouette. On est déjà presque à 70 000. Donc je pense que dans 2-3 épisodes, on pourra refaire un bout d'appartement, ça sera sympa. Alors, papier illusion. Je vais quand même mettre proche de la famille parce que je trouve ça toujours important. Dans tous les cas, vu que de toute façon il faut faire des gosses. Je préfère quand les Sims sont positifs, du coup. Alors, on va faire un petit relooking vu qu'elle est jeune adulte.
Et puis on va virer la frangine et puis voilà pour cette fois quoi. Elle a terminé un morceau. Non mais alors tout en même temps, c'est ridicule. Tiens, je vous jure. Alors est-ce que la notification va revenir après ou pas? Je ne sais pas. Alors, tu t'es remplumé un tout petit peu. Bon, alors la tête, tout ça, ça va pas changer. Non, t'as un plus long menton que dans mes souvenirs. Toujours violet, blanc, noir. Pour rester dans le thème du Pokémon, Papillusion est de cette couleur. Mais alors peut-être un truc plus adulte quand même. Surtout pour le bas. Forcément. C'est pas forcément plus adulte ça. Bon, je dirais c'est jeune adulte, elle est pas non plus encore à la retraite ou je ne sais quoi. Ouais, voilà, ça c'est déjà mieux. Au niveau des chaussures. Au niveau des chaussures. Ah bah ça c'est sympa. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on n'avait pas fait d'autres tenues. Alors voyons. Comment je vais te fringuer? Non. Non plus, ça fait trop sage. T'es jeune adulte quand même, t'es pas encore. Voilà, voilà quoi. Putain, mais ça craint. Ça, c'est pareil, on dirait un contenu personnalisé. C'est quoi ces couleurs dégueu là? C'est vachement trop criard. Ah, encore celle-là, ça va, mais. Bref. Mais je sais pas comment te fringuer, pupus, là. Oui, mais non. Ouh, ça c'est bien. Ok, un comme ça. Avec les chaussures violettes, comme ça on reste dans le thème. Peut-être pas te fringuer exactement comme maman. Hein? Ouh, là 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 là, c'est joli ça. Allez, une fois comme ça, qu'est-ce qu'on donne d'autre comme fringue? C'est déjà pas mal là, non? Allez, un petit truc au bas, sympa. Non, ça ressemble trop à ton autre tenue. Alors, ta. Je ne sais point du tout. Et je m'endors en plus. Bah c'est surtout que je sais pas encore ce que je te mets comme haut. Comme bas plutôt. Alors. On va peut-être pas refaire le slim comme dans l'autre tenue. Et c'est pas mal ça. Ouais, on va garder ça, je pense. Allez, voilà. Et bah du coup, sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour entamer la nouvelle génération avec des nouvelles contraintes. Fini la salade. Ça, c'est bien. Ah, toi aussi, t'es contente, hein? Oui, oui, fini la salade. Bon. je vais vous lister les contraintes pour vous les donner la prochaine fois. Je vais virer Carapuce avant d'enregistrer. Et puis du coup, on va devoir partir à la chasse au PNJ quoi.
une bonne partie de fun en perspective. Allez, bisous les gens, portez-vous bien, salut.